Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il sera question dans cette nouvelle vidéo donc du drame français Slalom réalisé par Charlène Favé avec notamment Noé Habitat et Jérémy Ranier dans les rôles principaux. Donc le film se concentre sur Lys, une jeune adolescente de 15 ans donc, qui vient d'intégrer donc la section ski études donc de son lycée dans le but de concourir au championnat. Et ça va également se concentrer sur sa relation assez ambiguë avec son nouvel entraîneur Fred, voilà donc qui est un mec assez sévère, assez exigeant. Mais on va voir que leur relation, voilà, disons que elle va évoluer parce qu'évidemment il va déceler en elle un espèce de talent. Il va vouloir l'entraîner plus que pour les autres et du coup ils vont nouer une relation plus que élève professeur, plus qu'entraîneur et élève. Et du coup leur relation va commencer à être plus qu'étrange, plus qu'ambiguë. Elle va prendre des proportions très 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 houleuse, si on peut dire ça comme ça, puisqu'elle va évoluer, mais pas forcément dans le bon sens, où il va se passer des choses assez intimes entre les deux, et du coup, on va voir comment ils vont gérer ça. Voilà, disons qu'elle va se retrouver sous l'emprise de son professeur, et l'enjeu, comment elle va gérer cette relation-là, ce qui est en train de se passer avec son entraîneur, en parallèle donc des championnats pour lesquels elle concourt. Voilà, écoutez, tout de suite, je vous dirais d'aller le voir. Voilà, c'était vraiment un excellent film. Vraiment, c'est le camp. Nous, en France, on se met vraiment à faire du drame, à faire du thriller avec un sujet et qu'on tient vraiment des sujets très intéressants et voilà qui sont très bien exploités. J'ai vraiment envie de dire, ça donne vraiment de très très bons films. Vraiment, je sais que c'est pas le style de film qui forcément vous intéresse, mais moi, j'y suis allé par pure curiosité, et vraiment j'en suis ressorti convaincu. C'est un film qui fait réfléchir, c'est un film hyper intéressant, c'est bien filmé, c'est bien shooté, il y a de belles photographies, nos deux acteurs jouent vraiment très bien. Voilà, Noé Habitat, j'espère vraiment qu'elle aura une récompense, un César ou des Golden Globes ou bref, n'importe quel prix qui peut être décerné dans le monde du cinéma, parce que vraiment elle a une très bonne performance. Voilà, meilleur espoir féminin pour Noé Habitat, vraiment j'espère, parce qu'elle joue vraiment très bien. Voilà, disons que elle joue une adolescente mais de 15 ans, voilà, qui se découvre en tant que femme, qui a un but, donc c'est de devenir championne de ski. Voilà comment elle va un peu jouer face à Jérémy Régnier, voilà, qui joue comme qui est là, il a quand même de la présence. Vraiment, elle va lui donner la réplique, mais vraiment haut la main. Et puis même en tant qu'adolescente, parce qu'évidemment c'est une femme, et ce qui se passe avec son professeur, on va voir comment elle le joue, comment elle le vit, les émotions, comment elle ressent un petit peu les choses, ce qui lui arrive. Voilà, elle a vraiment un personnage très profond, très développé à jouer, et ça va être symbolisé par toute une petite mise en scène. Voilà, parfois même cette couleur rouge qui ressort donc dès l'affiche, voilà, qui lui efface un peu le visage. Et vraiment cette couleur rouge donc symbolise plusieurs choses dans le film, comme le danger, le mal qui rejoint elle, parce qu'évidemment c'est une femme et c'est une jeune adolescente donc qui découvre son corps et qui forcément sa sexualité, enfin elle découvre sa sexualité du coup à suite à la relation un petit peu tumultueuse qu'elle entretient avec son professeur, si vous voulez. Donc elle va découvrir un petit peu ses règles. Les règles vont être abordées dans le film, parce qu'à un moment donné, donc elle est sous la douche, elle se met à saigner de l'entrejambe, et du coup le film va beaucoup aussi de traiter un petit peu donc du danger, du mal qui la ronge. Donc disons que la couleur rouge a plus d'un sens dans le film. À la fois ça représente un peu le danger, le mal, les obstacles le mal qui la ronge. Voilà, ces espèces de règles, ces espèces de pulsions, parce que en fait elle est entourée de plusieurs camarades, donc plus dévergondée et moins innocente qu'elle, parce que vraiment elle joue une adolescente un peu innocente, voilà, qui est assez vulnérable dans le fond. C'est pour ça qu'elle va rapidement se laisser faire par son entraîneur, parce qu'elle est vulnérable et elle ne sait pas vraiment ce qui se passe ni comment gérer ça, et ça va vraiment être très intéressant. Donc par rapport à ses camarades, du coup elle va découvrir un petit peu son corps et un peu sa sexualité, ce qu'elle peut en faire, comment elle va gérer ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire par rapport à ça. C'est vraiment très profond, vraiment c'est très bien exploité, c'est hyper intéressant. Même cette photographie, cette couleur rouge, donc comme je le disais, donc symbolise le danger, le mal qui la ronge, la couleur sang évidemment. Voilà quoi, il y a plusieurs particularités, il y a plusieurs façons d'interpréter. C'est une métaphore en gros du mal. Vraiment c'est vraiment hyper bien, c'est un truc très symbolique. Même dès l'affiche on sent le danger, vraiment ça va paraître à plusieurs reprises, donc dans cette première scène où elle se douche, ensuite donc quand elle a eu son premier rapport avec le professeur, voilà, qu'elle saigne un peu pareil de l'entrejambe, et puis il y a un moment donné donc elle est avec son entraîneur dans une salle de sport, elle est en train de s'entraîner, et il y a ce rouge vraiment qui va ressortir de l'image, voilà,
qui va être sur son corps. Enfin bref, il y a plusieurs symboliques. Pareil, il y a aussi son parcours qui va être intéressant, le mot parcours. La personne va utiliser son parcours dans le parcours de ski évidemment, et le parcours qu'elle va devoir accomplir un petit peu pour remporter un petit peu ses championnats. Comment elle va un petit peu gérer ça, parce que elle a également ça, la relation avec sa mère qui est assez distendue. Disons, voilà, sa mère est absente, elle est partie à l'autre bout, mais elle tente quand même d'être présente pour sa fille. D'ailleurs, je trouvais ça très intéressant comment la relation avec sa mère est gérée, parce qu'on voit que sa mère, elle veut quand même être investie dans le bien de sa fille, dans ce qu'elle fait. Voilà, elle tente de l'appeler, elle tente de la joindre, elle tente quand même d'être là pour elle, sans pour autant, en ayant pour autant donc, des choses à faire quelque part ailleurs. Et je trouvais ça, cette relation vraiment très intéressante. Et évidemment, on parle pas beaucoup de son père, on en parle, voire pas du tout. C'est un petit peu aussi pour ça que sans doute il y a cette figure maternelle, cette figure du mâle, de l'homme, qui va être très importante dans ce film, parce que vu qu'on ne parle jamais de son père, et ben on peut supposer éventuellement que la présence de son entraîneur, voilà, qui la soutient, qui a décelé en elle une espèce de talent précoce, bah évidemment ça va un petit peu renforcer ce côté masculin, ce côté homme qu'elle n'a pas forcément eu dans ses jusqu'à là, que ce soit au niveau d'un père ou même de son petit copain. Donc ça va être assez intéressant aussi comment ça va être traité dans le film. Donc c'est vrai qu'en parallèle en fait de sa passion, elle a beaucoup de trucs à gérer, que ce soit avec ses camarades, que ce soit avec sa mère, que ce soit avec son entraîneur, même que ce soit avec ses cours. Donc voilà, donc elle a vraiment le mot parcours a également plusieurs sens. Voilà, il y a plusieurs étapes à franchir pour qu'elle puisse arriver et à réussir à atteindre les championnats, et également à atteindre son objectif en tant que fille, quoi. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont être très intéressantes. Comme je le disais, la photographie est vraiment notable, et en dehors donc de cette photographie avec de belles couleurs, il y a un environnement exploité. Voilà, ils tournent dans des décors, c'est magnifique, les montagnes, etc. Il y a vraiment de beaux glaciers, ça neige partout. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y a vraiment des plans sur les montagnes, c'est vraiment magnifique, parce que en fait, Charlène Favier, voilà, elle a beaucoup de beaux décors, donc forcément, elle les valorise tous, quoi, elle les met beaucoup en avant. Et puis bon, le film parle quand même de ski, de sport, de parcours. Donc forcément, bah, quand on a les montagnes, on essaye au minimum de les valoriser. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, il y a des plans sur les montagnes. Plus, moi, je viens des montagnes, voilà, je suis né dans le Val d'Isère. Donc forcément, pour moi, entre la montagne, il y a une petite connexion. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir, donc, de voir des beaux plans comme ça sur la montagne. Ça, c'est vraiment magnifique. Et autre atout notable, bah il y a les scènes de ski. Voilà, quand elle skie, voilà, c'est immersif, la caméra la suit comme ça, c'est vraiment un truc immersif, c'est vraiment des scènes de sport très bien filmées, etc. Que ce soit au début ou même vers la fin, voilà, il y a vraiment de très belles scènes. La mise en scène est très immersive, on est vraiment à fond dedans, le sujet est captivant, les acteurs jouent tous très bien, la photographie est très belle, le sujet est très intéressant. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, allez soutenir ce genre de film. Voilà, c'est un film à aller soutenir, c'est un film à aller voir, c'est un film intéressant au niveau de ce que le film raconte, comment il le développe, comment il le gère, les personnages, voilà, comment il gère un petit peu leur relation, comment le lecteur se donne la réplique, parce que c'est vrai que pour une jeune fille, enfin, on sait pas, ça, elle a l'air d'être beaucoup plus âgée dans la vraie vie, Noé Bita, mais en tout cas, elle joue vraiment très bien cette adolescente de 15 ans, encore assez innocente, encore assez vulnérable, qui est prête à tout, en fait, pour atteindre son but. Voilà, elle le joue vraiment très bien, c'est un personnage vraiment très intéressant. Voilà, on a enfin une héroïne dans le cinéma français qui est vraiment bien développée. C'est rare quand même quand on a des personnages aussi profonds, aussi que les acteurs jouent aussi bien, parce que c'est vrai que voilà quoi, c'est quand il y a du potentiel, quand il y a vraiment des sujets intéressants, on construit vraiment de bons protagonistes, on les fait évoluer dans leur contexte. Là, c'est vraiment un drame sportif, quoi, une sorte de thriller qui va même plus loin, voilà, qui cherche à développer et à vraiment quoi, et à nous captiver, à nous intéresser, et ça marche vraiment très bien. Donc oui, Slalom, un excellent film français à aller voir dès que possible. Et Charlène Favier devient donc une réalisatrice vraiment super, parce que voilà, en plus c'est ça qui est important, quoi. La réalisatrice est une femme et elle dirige une jeune adolescente, donc je suppose quand même qu'il y a un petit lien. Je pense qu'il y a un rapprochement entre le fait que ce soit une femme qui voilà, en plus c'est son premier long métrage, donc il dirige une jeune adolescente, donc il y a ce rapport femme. Il y a beaucoup de filles aussi dans le film, voilà, les camarades notamment de Lise. Donc c'est vrai qu'il y a ce rapport un petit peu aux femmes, voilà, il y a quelque chose de très
très féminin dans le film, voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça se voit que c'est tourné par une femme. Mais vraiment, c'est une réalisatrice de talent. Et elle connaît son sujet, elle est dedans et elle l'exploite. Et c'est vraiment, vraiment très bon. Donc voilà, donc j'espère que ma critique vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu d'aller voir le film. Voilà, je vous encourage vraiment à aller le voir parce que c'était très intéressant, vraiment très bon. Et bah, écoutez, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.